non, je rêve. Non, je me suis brisé le dos. Bonsoir, Jerry. Pardon. Je suis surprise de te retrouver ici. Déclenché, elle a détecté quelqu'un dans le jardin. Oh non, c'est pas du jeu, il est trop tôt, j'ai pas encore pris ma douche. J'aurai tout le temps de te pomponner plus tard. Pour le moment, le devoir nous appelle. Tiens, prends ça, le cambrioleur. Et ça, et aussi ça pendant qu'on y est. Bonne méthode de frapper d'abord et de poser les questions seulement après. En fait, notre intrus nettoyait la piscine et à l'entendre crier comme ça, je dirais sans me tromper que la natation, eh bien, c'est pas son fort. J'ai mon brevet de secouriste. Il est carrément craquant. Me llamo Guillermo. Et en plus de ça, il est espagnol. Ce qui le rend forcément deux fois plus craquant, bien sûr. Je vous parie que ce donjon est un cadeau de mes parents. Ils sont en Espagne en ce moment. Hola, je m'appelle Alex et c'est Mio qui t'a sauvé la vida. Moi, c'est Clover, enchantada de vous rencontrer, monseigneur Guillermo. Laissez tomber, votre espagnol est mucho, mucho mauvais. Bueno, tengo que volver a trabajar. Laissez tomber. Attends, tu rigoles? C'est clair qu'il est trop redingue de moi. C'est à moi qu'il a parlé. Tu perds ton temps. C'est moi qui l'ai sauvé quand même. Je peux t'assurer qu'il m'a lancé un regard qui ne trompe pas. Cette fois, c'est sûr, vous êtes toutes les deux complètement folles. Eh? Oh. Vous me pardonnerez de vous convoquer si tôt, mais j'ai une merveilleuse nouvelle à vous communiquer. Je vais bientôt me marier. Vous marier? Bon, d'accord, je reconnais que c'est un peu rapide, mais pourquoi attendre quand on sait que c'est pour la vie? Mon petit bouchon d'amour. Myrna de la Périne? Notre ex-nounou, c'est-elle votre petit bouchon d'amour? Je me suis levée du mauvais pied ou aujourd'hui la folie est contagieuse? Oh, oh. Bonjour, mesdemoiselles. Si seulement vous saviez à quel point je suis ravie de vous revoir. Figurez-vous qu'un de mes pneus a éclaté alors que je roulais en plein désert. Et comme par enchantement, Myrna est apparue pour me sauver. Franchement, c'est pas l'idée que je me fais du coup de foudre. Mais bon, moi c'est moi et vous c'est vous. Alors, tout m'est fait de bonheur. Bravo, félicitations. Le mariage aura lieu dans quelques heures. J'ai besoin de votre aide, Alex. Vous vous occuperez des invitations, Clover, de la décoration et Sam, des fleurs. Gladys. À vous de jouer, mesdemoiselles. Jerry, c'est vraiment un honneur que vous nous faites. Vous ne serez pas déçus, je suis experte en décoration pour mariage express. Vous semblez manquer d'enthousiasme, Sam. Allez au travail, le retour, mon petit. Oh, mais enfin une seconde! Ne me dites pas que je suis la seule à trouver que ces événements s'enchaînent beaucoup, beaucoup trop vite! J'arrive pas à croire que vous n'ayez rien à redire toutes les deux. Ce sont des robes de demoiselles d'honneur. Elles sont moches et c'est fait exprès. Comme ça, ça met la mariée en valeur. Oublie les robes, je te parle du mariage. Mais enfin quoi, Jerry connaît à peine Myrna. Et au cas où vous l'auriez oublié, je vous signale que c'est la reine des casse-pieds. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oh, c'est trop beau. Et dire qu'on n'a jamais eu la présence d'esprit de rapprocher ces deux tourtereaux. Chers amis, chers collègues, chers espions, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux agents du groupe. On devrait mettre Jerry à l'ombre le plus vite possible, mais regardez-le, il rougit à vue d'œil. Dis donc, toi, tu serais pas un peu jalouse parce que Jerry rayonne de bonheur? Moi, je propose que vous vous taisiez, j'aimerais bien entendre quelque chose. Consentez-vous, Myrna de la Périne, à prendre pour époux Jerry James Lewis et à l'aimer pour la vie? Oui, je le veux.
À votre tour, consentez-vous, Jerry James Lewis, à prendre pour légitime épouse Myrna de la Périne et à la chérir tendrement? Elle me veut, je la veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare à présent et très solennellement mari et femme. Embrassez la mariée. Chercher de la soie. Très joli lance, c'est Sam. C'est pas gentil de nous faire des frayeurs pareilles. Mon biquet, mon bouchon d'amour. Ah, je crois que je viens de comprendre l'expression « faire le grand saut ». Dépêche-toi, mon biquet. On nous attend pour commencer les festivités. Voyons voir. Ce serait seulement l'érosion qui a fait que cette falaise a cédé? Ah! Je suis prête à parier que ce truc n'est pas là par hasard. Tiens, Sam, ils vont couper le gâteau. On y va, Jerry va inviter Myrna à valser et franchement, je raterai ça pour rien au monde. Cette soudaine histoire d'amour entre Jerry et Myrna ne me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Et je suis bien décidée à trouver ce que c'est. Ay, me duele ver una piscina en tan mal estado. Est-ce que t'as entendu ça? Il a dit que j'avais les yeux à tomber par terre. Oh, non, t'as tout faux. En fait, il a dit qu'il craquait pour mon sourire. Vous pourriez vous concentrer une seconde? Je sais que vous n'avez rien à redire à ce mariage et que vous pensez que je vois le mal partout. Mais Myrna n'a rien fait pour sauver Jerry quand il est tombé. En tant qu'ex-agent du Whoop, elle aurait dû réagir par instinct. Elle devait être paralysée sous le choc. Ça peut arriver quand un être qui vous est cher est en danger. Réfléchis un peu, si vraiment Myrna avait voulu se débarrasser de Jerry, pourquoi elle se serait mariée devant une assemblée d'agents secrets? Hein? Là, d'accord, tu marques un point. Mais n'empêche que tout ça ne me plaît pas. Tu n'as qu'à tout simplement en parler à Jerry. Mais oui, dis-lui sincèrement ce que tu as sur le cœur. Vous avez raison, je l'appelle immédiatement. Bonjour à vous, mesdemoiselles. Comment ça va, Myrna? Où est Jerry? Pourquoi c'est vous qui répondez? Mon biquet a pris une journée de congé pour se remettre pleinement de sa petite chute de falaise. Et c'est donc moi qui le remplace. Avec mes quelques 30 années d'expérience, vous conviendrez que je suis qualifiée pour cela. D'accord. Eh bien, dites-lui seulement que j'ai appelé. Oh. Myrna qui remplace Jerry, cette fois, c'en est trop. Je vais aller le voir en personne chez lui. Chez lui? Mais enfin, Sam, tu pourras quand même respecter sa vie privée. J'ai du voyage. Amusez-vous bien. Je ne bouge pas d'ici si vous avez besoin de moi. Je crois qu'à la réflexion, je vais plutôt rester moi aussi. On se retrouve plus tard, Sam. Wow, et moi qui croyais connaître Jerry par cœur. Mais c'est quoi ça? Ah, j'en étais sûre! Cette histoire ne tourne vraiment pas rond. C'est pas possible, je me suis trompée d'adresse! Bonjour, l'amour! Jerry! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou! Oh, ma douce Myrna, quand tu n'es pas là, je compte les secondes. Mon cœur s'arrête de battre, le temps suspend son vol. Elle est ma... Oh, les cookies! Oh, j'ai mis au four les cookies en forme de cœur pour lui prouver mon amour. Non mais Jerry, est-ce que vous avez perdu la tête? La seule chose que j'ai perdue, c'est mon cœur. Il lui appartient. Et j'ai même écrit une chanson pour elle. Tu es mon bouchon d'amour, Myrna. Là, vous êtes sérieusement atteint, mon pauvre Jerry. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais votre comportement n'est vraiment pas normal. Oh, je sais, une fois qu'un homme a la bague au doigt, son existence change du tout au tout. Alors c'est ça, c'est l'alliance. C'est certainement elle qui vous contrôle. N'est-elle pas resplendissante? À l'image de ma douce et tendre Myrna. Ah, Jerry, regardez. Votre diamant, on dirait qu'il diffuse une substance dans les tissus de votre peau. Bah les pattes! Petite fouineuse. Mon bouchon d'amour. Ça alors, où est passée la jeune et gentille mariée, Myrna? Il est l'heure de partir pour notre lune de miel aux chutes du Niagara. Sois gentil, mon biquet, va m'attendre dans la camionnette. Dans la camionnette? Tes désirs sont des ordres. J'ignore encore ce que vous manigancez, mais je ne vous laisserai pas manipuler ce pauvre Jerry plus longtemps. Tu crois
crois que le Whoop se serait trompé au point de me choisir comme nounou sans s'assurer que j'aurais le dessus sur toi et tes camarades. La lune de miel est terminée. Je vous conseille de vous rendre. Désolée de te décevoir, cher enfant. Attrape. Maintenant, c'est quoi cette panique de lancer des étoiles? Vous êtes une sorte de ninja ou quoi? Quelle pertinence pour ton âge. Mademoiselle en demande? Mademoiselle est servie. Au cours de mon apprentissage, j'ai également appris le secret de fabrication d'un antique filtre d'amour japonais. Et c'est ce que diffuse l'alliance de Jerry? Plutôt futé, non. Et c'est pourquoi je mérite amplement de diriger le Whoop. Cet incapable de Jerry a fait son temps. Et puis, comme tu l'as vu, cet idiot n'est plus en état de m'en empêcher. Eh bien, moi, je suis en état. Bon, pas dans la seconde qui suit, mais attendez que je me décroche du mur. Tu peux te débattre tant que tu veux, ça ne changera rien. Grâce à mon mariage d'amour avec Jerry, le Whoop sera bientôt à moi. Ah oh, oui, rien qu'à moi, oui. Une autre concoction japonaise à base d'herbe dont j'ai le secret. Détends-toi. Au secours! Si seulement je pouvais me décrocher! Ma chère Myrna. On m'a pas comme ça, moi. Il est l'heure à présent que je poursuive ma petite enquête. Ah, ces amours, toi. Combinaison amphibie à propulseur intégré. Génial le concept. Oh, pas mal. Jerry, à peine marié que vous ne vous donnez plus la peine de ranger vos affaires. Béret gonflable, la pointe de la technologie française. D'aller voir une Bueno Filmo tous les deux au cinéma. Pardon? Ce qu'elle veut dire en fait, c'est que toi, Hidalgo, et moi, aller tous les deux au restaurant pour manger miam miam, paella, chorizo. Clover, Alex, on s'active. Myrna est une guerrière ninja qui essaie de se débarrasser de Jerry pour prendre la tête du Whoop. Vous vous rappelez de ça? Celle-ci était plantée dans un des pneus de Jerry et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la falaise. Ainsi qu'à celle que Myrna m'a lancée dessus. Ah ouais, je vois le genre. Désolada, Guillermo, on va être obligés de se séparer d'eau. Hasta luego. Et comment on dit, il faut qu'on aille sauver notre patron de sa ninja d'épouse en espagnol? Cette petite balade est tellement romantique, ma douce, et ça surpasse les gondoles de Venise. Je réserve quelques surprises absolument passionnantes, mon petit piquet. Oh, et qu'est-ce que tu dis de celle-là? Oh, fou!
J'aurais dû prendre la peine de vous éliminer quand j'étais votre nounou. Votre petit jeu a déjà assez duré, Myrna. Libérez tout de suite Jerry de votre maléfique emprise. Mais avec joie. Voilà. Oh, Jerry. Oh, c'est haut. Vous deux, vous le récupérez. Moi, je me charge de Myrna. Mon petit bouchon d'amour. Jerry! Tu manques trop d'expérience. C'est peut-être vrai, mais par contre, je suis très motivée. Désolée, mais je vais me venger parce que vous m'avez fait porter une robe d'honneur infâme. Oh non, pas mon alliance. Je suis là. Est-ce que j'ai vraiment... Oh non, quand même, j'ai pas. Oh, pauvre de moi. Oublie que je suis ninja. Et moi, une jeune espionne très en colère. Tiens. Avantage, ninja. Avantage, jeune espionne énervée qui déteste qu'on joue avec les sentiments des gens. Tu ne gagneras pas, petite impertinente. Mon bouchon d'amour. Oh, mon piquet. Viens m'aider, mon bébé en sucre. Oh, oh, je vais t'aider pour ça, t'en fais pas. Non, oh non, en face. Oh, je me trouve particulièrement attirante, vraiment irrésistible même. Oh, si séduisante et intelligente, drôle, spirituelle, tout ça, là là. Oh, l'horreur, elle est complètement tombée amoureuse d'elle-même, elle qui avait déjà les chevilles enflées. Oh, oh, que je m'aime. Oh non. Oh, oh, oh. Un petit effort, Jerry. Faut qu'on sache qui Guillermo préfère de nous deux une bonne fois pour toutes. On sait que votre espagnol est muy perfecto. Les filles, je ne suis franchement pas d'humeur à traduire des déclarations d'amour. Vous nous devez bien ça, Jerry. On vous a quand même sauvé d'un enfer conjugal. Où est passé Guillermo? Sam, tu peux nous dire où tu l'as caché? Mon petit Guillermo. Oh, quelle journée délicieuse. Vraiment, j'adore. Elle est gonflée, cette pimbèche totale superficielle. On a passé des jours à apprendre l'espagnol pour lui déclarer notre flamme. Et au final, il préfère Mandy.
¿Qué os pasa, chicas? ¿No estás contenta con vuestra piscina? Je rêve, il vient de lui dire qu'elle avait des yeux magnifiques. Ce type, c'est un ingrat. Oh, ne vous en faites pas, les filles. Les avances de Mandy ont à l'évidence laissé de glace votre Guillermo. Il me semble intéressé par les aspirateurs, les épuisettes et les filtres. Non, c'est vrai. Toutes ces longues phrases étaient pour parler de la piscine. Promis. La pauvre Mandy. Si seulement elle pouvait se rendre compte à quel point elle est ridicule. Ah ouais, tu m'étonnes, au secours. Faut pas être voyante pour deviner si un garçon craque pour vous quand même. Un peu de sérieux. J'ai peut-être été un peu naïf de croire que Myrna était mon âme sœur, mais l'amour est tellement imprévisible. Bon, pas si imprévisible que Myrna, c'est certain, vu que celle-ci a essayé de m'éliminer, mais... Même si mon cœur saigne, même si je souffre atrocement du mauvais tour que m'a joué cette sinistre femme, je n'ai aucun regret d'avoir tenté ma chance au jeu de l'amour. Jerry? Mon bouchon? Je sais ce que c'est, j'ai moi-même été déçu autrefois par un grille-pain en inox flambant neuf.